Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Mondial Russie 2018 se déroulera en juin 2016 pour la zone Afrique. La RDC partage le même chapeau que la République du Congo, la Tunisie, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les pluies qui s'abattent dans la capitale rendent la circulation moins fluide. Le cas sur la route bypass dont les nid pools sont transformés en des lacs artificiels. Les détails dans ce journal. Ces voix devant la presse nationale et internationale. Ferme que le porte-parole du gouvernement congolais a décrié, qualifié de chantage de la part de certains partenaires, notamment avec la dernière déclaration de l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs. Cette déclaration de Dana Ikolaki a affirmé que la Grande-Bretagne s'apprêtait à revoir sa coopération avec la RDC, son calendrier électoral n'est pas respecté, mais aussi d'autres sujets d'actualité ont été évoqués lors de cette conférence de presse. La participation financière à notre électorat. Les taux et termes et la réponse disponible à tous les sujets brillants de l'actualité. S'agissant de la déclaration attribuée à Dana Ikolaki, envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs, en visite en RDC, qui aurait affirmé que son pays s'apprêterait à revoir sa coopération avec la RDC si les calendriers électoraux n'étaient pas respectés. Les porte-parole du gouvernement congolais parler de chantage vers l'endroit du peuple congolais. Au cas où ces propos étaient exacts, moi-même je ne les ai pas suivis, le gouvernement de la République du Congo voudrait d'abord marquer son étonnement face à ce qui n'est rien d'autre, ne serait rien d'autre qu'une bien curieuse série d'anticipations négatives, obscures, de la part envoyé spécial d'État partenaire sur le devenir de notre pays. On ne le dira jamais assez. Quoi qu'en pensent certains de nous, et peut-être certains de vous, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, les élections constituent une matière de souveraineté. Autre sujet d'actualité évoqué par Lambert Mende, c'est les accusations des viols contre les contingents des forces armées de la République démocratique du Congo employés en République centrafricaine. La mère Mende rejette ces accusations et les qualifie des mensongères. Je tiens à dénoncer de la manière la plus formelle ce tissu d'inexactitude contre les éléments de nos vaillantes forces armées. La chaîne publique française semble prendre de plus en plus un certain plaisir. S'agissant du rapatriement des ex-1-23, Lambert Mende fait savoir que le pays est prêt à les accueillir sur son sol. S'agissant de la participation ou non des paix au dialogue, le porte-parole du gouvernement a précisé que le dialogue est organisé avant tout au profit du peuple congolais et non au profit de partis politiques. Lambert Mende. Est-ce que l'UDPS viendra jusque récemment, je pensais que oui, mais dites-vous bien qu'on ne fait pas de dialogue pour un parti politique. Alors ne ramenez pas tout à un parti politique. Notre parti ne se réduit pas à l'UDPS. L'UDPS viendrait, tant bien, tant mieux. L'UDPS ne viendrait pas, ça ne fera pas disparaître pour autant les problèmes de comportement que nous avons évoqués pendant ce dialogue. En réaction, l'UDPS qui tient encore à l'organisation d'un dialogue pour baser la voie des élections, soutient que la crise ne sera disposée que lorsque son président national, Tshisekedi, discutera avec le chef de l'État.
Joseph Kabila. On écoute Joseph Kapika, secrétaire général de l'UDPS, au téléphone. Il sait que s'il y a crise, elle part des élections 2011 et qu'elle oppose deux personnalités, Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Si on parle de réconciliation nationale, c'est entre ces deux personnalités-là. Donc Lambert ne peut pas dire si le DPS ne peut pas, les autres Congolais iront. Non, si les autres Congolais y vont sans le DPS, le problème de la crise mais des élections n'aura pas été résorbé. Chose à présent, après la prestation de serment hier des trois nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante de la Cour constitutionnelle, leur était mise reprise cet avant-midi à la CENI. La cérémonie a été présidée par le rapporteur de cette instance d'appui à la démocratie, Jean-Pierre Kalamba. Juste après la cérémonie, les nouveaux membres ont procédé à la visite de leur bureau. Corps sécurité avec le général de brigade Mbango Machita Marseille qui a effectué une visite de travail mercredi en territoire de Loubero, bastion des combattants FR. Il était accompagné de certains officiers de la mission des Unis au Congo. Selon le lieutenant Makazukai, la mission des FDLR sur le territoire de Loubero est prise en compte par le secteur opérationnel et ici. Tous les commandements des secteurs opérationnels Grand Nord et Sud étaient imprégnés de la situation à Kima, en village, juste occupé ni par la force régulière, ni par la force négative. La force civile avait eu le devoir, les forces de la République démocratique du Congo, occuper ces villages, abandonnés par les Maïbaï et les FDLR. Les forces vives avaient que la guerre cette localité, ce qui a indiqué, ce qu'on a cherché l'information du terrain et savoir exactement qu'est-ce qui se passe parce que c'est une façon d'être la population. Étant que le FDLR constitue une menace sur le territoire de Loubero, le commandement de l'opération analyse mieux la question, notre Zoukai. Normalement, le FDLR sont cibles de d'armes de secours. Mais comme pour l'instant, il constitue une menace pour le territoire de Loubero sous contrôle de Nord, donc l'opération Soko la 1, le commandement s'est engagé d'empêcher multiples incursions, surtout pour sauver cette partie. Il n'y a pas que les FDLR, les Maïmaï qui parlent d'eux dans cette. Rappelons que l'abandon du village qui avait été constaté qu'en dernier, à l'affrontement qui avait opposé le Maï Maï et l'air béni Kasmouissi Biwan. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat des jeunes, deux jeunes entrepreneurs congolais constituent la sensibilité sur la question au milieu des jeunes pour une participation effective à l'émergence économique de la RDC. C'était lors d'une rencontre organisée par le Centre culturel américain. Deux leaders jeunes soient-elles, modèles de réussite et d'inspiration dans l'entrepreneuriat, ont été conviés à présenter leur vaste expérience au cours de ce talk par l'ambassade des États-Unis. Devant un parterre d'entrepreneurs, Jolan Tima et Françoise Bemba évoluant eux dans le domaine de l'information et de la communication ont été distance sur le profil d'un bon entrepreneur. Les orateurs du jour, l'entrepreneur qui veut faire l'enjeu doit aménager l'aventure, se focaliser objectifs à atteindre et se contenter de moyens disponibles. Au-delà d'avoir une belle vie, il faut aussi réfléchir sur la œuvre de l'idée. Et si vous aviez accès au crédit bancaire aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des méthodes pour flouer les banques de l'argent, est-ce que cet argent que vous aurez de la banque pourra servir réellement à vos pensées? Le fait mais ma foi, cette focalisation, attendre des subventions, a permis au fait justement peut-être cette femme déterminée avant que par moment, lorsqu'on demandait de l'aide, ce serait, et c'est quand même, sont limitées. Selon l'entrepreneuriat, parfois, et qu'il ne faut
tout prix craindre les échecs. Donc, le moyen, la seule chose qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de se lancer, c'est qu'on dit se lancer dans l'entrepreneuriat est un acte de leap of faith, c'est-à-dire vraiment de l'autre côté, tu dois croire et y aller. Quand vous avez une idée, sur 1000 personnes que vous avez, il y aura une personne qui. En 2012, ces entrepreneurs ont aux côtés de 60 autres jeunes leaders africains participé au sommet de l'innovation et au partenariat de mentoring aux États-Unis, un programme qui leur a permis de comprendre la politique américaine de l'entrepreneuriat différente. L'ouverture hier de l'année sur le projet d'appui au développement privé à la création d'emplois du ministère du Plan par la Banque africaine de développement. C'est un début de solution aux problèmes socio-économiques qu'apporte le projet d'appui au développement privé et à la création d'emplois en RDC. Ce projet pour une croissance inclusive et génératrice d'emplois va non seulement améliorer le climat des affaires, mais aussi créer des emplois pour les jeunes, l'autonomisation des femmes et l'émergence de PME. Pour une phase pilote, la ville-province de Kinshasa et les deux anciennes provinces de Kasaï sont concernées. Le projet appui au développement du secteur privé et à la création d'emplois arrive donc au bon moment afin de répondre aux préoccupations du gouvernement d'apporter un appui au secteur privé, les structures et privées impliquées dans le développement du secteur. Ainsi, le gouvernement de la République a opté pour promouvoir un solide public-privé. Ce projet est le fruit d'un accord entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement pour un coût de 38 millions de comptes, soit 4 millions de dollars américains. Nous avons les efforts du gouvernement concentrés sur la réduction durable de la pauvreté, d'autant que le pays demeure confronté à l'urgente nécessité de traduire cette manque macroéconomique en opportunité pour le développement du secteur privé, la création d'emplois, l'amélioration de l'employabilité et l'autonomisation économique des femmes. Pour le ministre du Travail, ce projet d'investissement va produire beaucoup d'intérêt en termes des ressources humaines. Et vous avez l'employabilité des femmes et au secteur privé des petites et moyennes entreprises, dont la FEC est mise en vedette pour l'encadrement et même Polytechnique à Lubumbashi. Maintenant, avec la modernité et la gestion minière ne peut plus être artisanale comme à l'époque. Aujourd'hui, l'université va devoir être mise à contribution pour regarder aussi cet aspect. Donc voilà autant de secteurs qui sont ciblés et de l'argent est disponible. Durant deux jours, les parties prenantes vont être la mise en œuvre de 10 projets afin d'atteindre des objectifs assignés. Parlons encore de la remise reprise dans ce journal, cette fois-ci au Kasaï occidental, des membres entre l'ex-gouverneur, le commissaire spécial du Kasaï central et celui de la nouvelle province du Kasaï, deux commissaires spéciaux promis de travailler en collaboration pour garder l'esprit de fraternité des deux provinces issues du développement. La cérémonie s'est déroulée à la résidence spéciale du commissaire spécial Alex Kandemou-Pampa. Il a fallu 67 minutes de passation de pouvoir entre Alex Kandemou-Pampa, gouverneur sortant du Kasaï occidental, et actuel commissaire de la province du Kasaï central, et Marc Manyanga Ndambou, commissaire central du Kasaï. La cérémonie s'est déroulée au Salon Rouge, résidence officielle du gouverneur de province, présence des officiels et de toutes les institutions des services étatiques. Le cours a prévu l'adresse du gouverneur sortant Alex Kandemou-Pampa. Succinctement, la situation générale de la du Kasaï sur le démembrement du Kasaï. C'est une province qui a plusieurs atouts, les courants permanents fournis par la société du Congo à Tshikapa-Ville, la présence de fournitures d'eau potable, mais aussi plus de 11 millions de francs congolais en banque, frais de session de 3 mois. Parmi les dépenses relevées dans cette province, 581 mètres d'érosion, dont 204 à Luebo, 74 à Tshikapa. Les peuples des deux provinces doivent rester unis. Alex Kandé dans son adresse. Je me suis fait un véritable devoir, qualité de dernier gouvernement du Kasaï, aujourd'hui démembré,
de vous présenter détaillé des lieux du Kassai, en passant en revue secteurs que sont la sécurité, l'administration, les finances publiques, l'éducation et la justice, l'énergie, les travaux publics, financiers ainsi que les transports. Marc Manyanga, du Kassai, a salué par la population du Kassai avant d'indiquer que lui et ses deux adjoints vont travailler en vue de cultiver l'esprit de fraternité dans leur province. Les allocutions de des heureux du jour ont été suivis de la traditionnelle cérémonie signature et échange de paraphes avant l'heure législative du gouvernement provincial sortant. Revenons à Kinshasa pour parler de l'été. Il est difficile pour certains Kinois de se frayer un chemin et les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale. Les grandes artères se sont transformées en des lacs artificiels à tel point que la circulation n'est plus fluide. Cette triste réalité s'observe au niveau de l'avenue Baïkal à hauteur du triangle de l'université de Kinshasa. Kinshasa, sous l'élan de modernisation. Si certaines routes réhabilitées rendent la circulation fluide, à la grande satisfaction des usagers, d'autres font encore objet de plaintes. Cas du tronçon reliant l'université de Kinshasa au rond-point Gaba via Bypass et Kimweza au niveau de l'arrêt triangle. Ici, un lac artificiel a vu le jour. Le paysage est visiblement jonché de plusieurs ordures, dont des déchets plastiques. Ces eaux, ennemies du goudron, perturbent totalement la circulation dans ce coin. Pour contourner cet obstacle, la traversée est facilitée soit par des jeunes transportant les nécessités au dos, soit par des chariots, moyennant quelques billets de francs congolais. Le pont s'est détérioré et quand on ne circule plus comme il faut, on s'installe sur la chaussée. La traversée est payante, soit 300 francs ou 400 francs. S'il faut attendre plus, ça prend un peu plus de temps. Pour traverser, nous nous faisons transporter sur le dos. Pour ceux qui pèsent un peu plus, c'est 500 francs et les autres 300 francs. C'est vraiment un calvaire. Comme si cela ne suffisait pas, à cela s'ajoute la difficulté de transport en commun suite au phénomène de demi-terrain. Les deux rives se sont transformées en arrêts de bus. À quelques fois malheur et bon, dit-on, les chauffeurs de taxi-bus et taxi-moto ont bel et bien une occasion de plus pour renflouer leurs poches. Difficulté quasi similaire sur la route bypass entre Cité Verte et Rompinga. Ce tronçon est parsemé de trous béants, caniveaux complètement bouchés, rendant de plus en plus impraticable cette route. Cette route est devenue impraticable, pourtant elle est d'une grande importance. Beaucoup de marchandises passent par cette chaussée. Les camions poids lourds empruntent la même route pour aller au Bas-Congo et le rond-point Gaba et le terminus pour beaucoup de commerçants. Nous sollicitons qu'on puisse la réhabiliter le plus vite possible. Au regard de l'importance de cette chaussée, l'intervention imminente de la voirie urbaine est donc très attendue pour rendre la circulation plus aisée. Parlons de la raison, la République démocratique du Congo est placée dans le même chapeau que le Cameroun, la République du Congo, la Tunisie, la Guinée équatoriale. Le tirage au sort se déroulera en juin 2016 pour accéder à la phase de groupe éliminatoire du troisième tour du mondial de football. Russie 2018, les cinq équipes si citées ne se rencontrent pas en phase de groupe. Pierre-Célestin Kabala nous donne son point de vue. Il est le groupe de la mort pour nous, mais c'est dommage que cela ne puisse pas être exigence et que les jours se ressemblent pour la RDC et qu'ils ne tiennent pas compte du fait que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est toujours la préparation. On n'a toujours pas l'entraîneur qu'il faut à la veille d'une grande compétition. Et cette fois-ci encore, on en est encore à la recherche d'entraîneurs titulaires. Et nous avons eu les noms des adjoints qui n'ont pas encore de la Côte d'Ivoire qui est le cas à remonter. Or, le ministère qui doit ses entraîneurs nationales. Il me dit comment on ne peut pas se concerter. Le fait
Bon, le ministre a raison de rapporter ces ou des sujets de décision avant qu'il n'ait obtenu son. Mais nous disons que cela est aux états du football congolais. Il vaut mieux que de en vain qu'il puisse harmoniser. Culture, la troisième édition du livre de Kinshasa a ouvert ses portes lors d'une rencontre au lycée français René Descartes, 4 jours durant. Les écrivains congolais, belges et burundais ont échangé avec les lecteurs dans divers retenus à travers la ville. Le thème retenu cette année est l'environnement sur les routes de Kinshasa. Lire dans un coin ou en public, peu importe l'endroit où on se retrouve, tant que un livre, l'esprit se nourrit et apprend. Le livre se veut ainsi un moyen pour véhiculer des messages. Voilà qui justifie le choix du thème « Environnement sur les routes de Kinshasa » pour la fête du livre. La troisième édition de ce rendez-vous littéraire qui tient désormais sur Kinshasa a ouvert mercredi. Auteurs et lecteurs auront 4 jours de partage d'expériences et d'évasion. La troisième fête du livre de Kinshasa permettra, c'est ce qu'ont voulu ses organisateurs, à des centaines d'élèves des écoles de Kinshasa, je crois qu'il y en a une vingtaine, de profiter de l'occasion d'échanger avec des auteurs, avec des illustrateurs au cours de face-à-face, de rencontres, de lectures publiques, ou de même de séances de dédicaces, je reviens sur les auteurs qui sont présents, pour découvrir justement ce miracle fécond dont parlait Proust. Cette troisième édition a eu le mérite de réunir des écrivains congolais et ceux venus des autres pays, tous ayant comme dénominateur commun le livre. Nous devons protéger notre environnement, nous devons exploiter ces ressources pour le développement de notre pays. Vous savez, il se pose un problème ces derniers temps, le problème des objectifs de développement durable et comment exploiter les ressources naturelles tout en préservant l'environnement. C'est le genre de message que j'essaie de faire passer à travers mon œuvre. Parler pour la nature. Quand j'écris, quand je vais à la rencontre des gens, forcément, dans cette rencontre, il y aura quelque chose qui se passe. Et j'écris sur ça. Ce n'est pas seulement sur moi-même, c'est aussi sur ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'autre. Culturel, de rencontrer les gens, les cultures, discuter, et puis partager des expériences de vie. En tant que tel, c'est plutôt, moi, la psychologie et l'aspect humain, en fait. Voilà. 4 jours pour célébrer le livre sur route, choisi dans la ville de Kinshasa, moment idéal pour savourer le goût de la lecture. Religion, avant de nous quitter, l'église Parole de Dieu, extension de la zone dans la commune de la Gombe, organise au 21 novembre un concert évangélique gratuit avec comme thème « Prier et sauver pour adorer ». Femmes, hommes, jeunes, tous sont appelés à venir louer et adorer le Seigneur. Il s'agit d'un concert évangélique que le centre évangélique francophone Parole du Sali, qui est l'extension de la borne à Gombe, organise. Un concert évangélique, c'est vrai que nous avons l'habitude de venir dans des concerts, louer et adorer, mais ici, il y a un aspect qu'on ajoute évangélique, tout simplement parce que notre église, qui est un centre évangélique, a aussi la mission de gagner les âmes. Donc nous profitons de ces concerts pour que nous puissions gagner les âmes. Généralement, quand on parle d'un concert, les gens viennent louer, adorer, danser. C'est vrai, le Seigneur est glorifié, mais je crois que le Seigneur peut être glorifié beaucoup plus lorsque nous gagnons les âmes. La Bible nous dit, quand une seule âme est gagnée, il y a du festin au ciel. Donc quelque part, nous voulons, à l'occasion de cet événement, créer la fête et créer la joie pour le Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Ce concert n'est pas payant, c'est un concert gratuit parce que nous disons quelque part, Christ a déjà payé par rapport à ça. Je dis bien par rapport à cette activité. Donc le concert est vraiment gratuit. Le concert sera animé par le pasteur Holmes et la chorale de l'église Parole du Salut. Fin de ce journal. Merci de rester branchés au 340.
sur le bouquet Canal. Effectivement, c'est moi qui continue en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé parler de la célébration. Au-delà de ce que vous, moi sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retire votre attention, c'est 4 minutes. Oui, moi. La simplicité. Ce soir, sur Biwa. Celles-là qui se trouvent déjà mères, par exemple. Effectivement. Maman. Voilà, celles qui sont des mères. Nous nous sommes rendus déjà dans des centres. Vous êtes maman, vous avez dit. Oui, mais vous avez franchi certaines étapes avant de devenir maman. Non, pas forcément. Je pense à couper Noëlla. Je pense que c'est une histoire particulière qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire jeune fille, que avoir un enfant, je me permets de le dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. J'ai fini mes études, je me suis bagarrée, je me suis battue pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves. C'est pas facile d'être maman quand on est jeune. Et peu importe les conditions de vie qu'on peut avoir, je pense que c'est important d'avoir des modèles, des aides, des personnes qui peuvent nous conseiller, sur qui on peut s'appuyer et continuer à rêver. Dimanche sur Biwan. Salut à tous, c'est votre diva africaine. Salut, c'est votre diva africaine. Déconnectez à mon avis. Alors suivez-moi. Ce dimanche, 22 novembre, 14h10, Biwan, avec mon programme. Et alors, je vous embrasse. Transgression de loi spirituelle, méconnaissance de valeurs culturelles, négligence ce patrimoine historique, des constats amers de ce tableau triste animé des fractures et des blessures de l'âme congolaise. Il faut d'abord qu'on apprenne à être congolais. Être congolais, c'est d'abord connaître son histoire, savoir d'où nous venons, qui sommes-nous, où allons-nous. Dans le firmament du ciel, la RDC devient-elle un jour comme le soleil de la terre? Tout combat au début, ça a toujours été difficile, ainsi que les hommes puissent comme ça comprendre la lutte.